C'est à la fois un objectif de développement de la langue du territoire, de la langue régionale, de la place du dialecte, de son articulation avec l'allemand standard, et puis en même temps fournir à tous les jeunes la possibilité d'avoir cette compétence linguistique. C'est vrai avec des objectifs dans le premier degré, en primaire, à l'école élémentaire, où on veut renforcer, développer le bilinguisme. C'est vrai aussi dans le second degré, avec des recrutements de professeurs. Tout cela se fera dans une ESPE dédiée, l'ESPE de Colmar. Et parallèlement, nous voulons développer l'allemand dans la voie professionnelle, parce que l'allemand, c'est aussi un accès facilité à l'emploi. L'autre objectif, c'est que d'ici 2022, eh bien, on est 100 enseignants d'allemand en plus en Alsace. Dans les compétences qui vont être données à cette nouvelle collectivité, eh bien, il y aura moyen, en complément de ce que fait l'éducation nationale, de recruter des enseignants d'allemand, et de proposer des heures dédiées à l'allemand, en plus de ce qui se fait aujourd'hui dans nos écoles et dans les périscolaires avec l'aide des communes.